Yeah, salut tout le monde, Paul et Yannick, des chasseurs des îles, une journée encore dans les îles. Aujourd'hui, on va trapper, fait que, on va vous mettre des beaux vidéos. Bonne journée, suivez ça, écoutez ça. Yes, tout le monde, ben, on est le 16, le 15 octobre. Le 10. Le 10. On est le 10 ou le 11 octobre, journée de run de trappe aujourd'hui. On vient faire le tour de nos pièges à ratons. Vous voyez les pièges en bas, on a réarmé nos pièges. Ça commence bien la journée. Deux gros ratons. Ça mange du grain, puis des pommes, puis des carottes en masse. Ça. On est bien contents. Je vais vous montrer le qu'est-ce qu'on a mis pour nos ratons avec des guimauves. Puis guimauves du Dollarama, là, des pas chers avec de la bouffe à chat. Ça fonctionne super bien. Regardez la preuve. Montre-leur les boîtes. Les boîtes puis les chaudières de chaudière carrée, boîte que Martin a faite. Puis un trois clous en haut sur le dessus de l'arbre. Hey, salut tout le monde! Paul et Yannick des Chasseurs des îles. Fait qu'on a fait le tour de nos pièges. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, ça a été quand même une bonne journée de trappe. On est bien content de... Comme un pot expédition. Oui. Caramel. Le leurre au caramel de pot expédition a fait la job. Des guimauves, du caramel, de la bouffe à chat. Puis... de la bouffe à chat, probablement que dans les prochaines semaines, on n'en remettra même pas. Ou bien, admettons, tu sais, un petit contenant, là, on vous montrera le contenant qu'on a pour la bouffe à chat. Un petit contenant divisé en plusieurs pièges. Pas l'impression où on retrouve des contenants, là, tu sais, le petit chose de plastique, le petit cop de plastique, on le retrouve à peu près pas mangé. Fait que... probablement que dans les prochaines semaines, on va en mettre un peu pour l'odeur. On va diviser avec un couteau, tout, en mettre un peu dans le fond de la boîte, mais on ne mettra plus un petit cop de bouffe à chat dans chaque piège. À date, caramel, guimauve, ça fait la job. Notre prochaine sortie, on a un follower, on a quelqu'un sur Facebook qui nous a parlé des réglisses noires. Fait qu'à ma prochaine sortie, à notre prochaine sortie, on va tester réglisse noire, guimauve et réglisse noire. Ça a l'air que ça donne des bons résultats. Fait qu'on va essayer ça à notre prochaine sortie. Puis, encore merci de nous suivre. Commentez, partagez. Abonnez-vous. Puis, c'est ça. Fait que, encore merci de nous suivre. Puis, laissez-nous des commentaires, les trappeurs plus expérimentés. Vous avez vu un peu notre sortie. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Puis on aime tout le temps ça aujourd'hui avec vous autres. Bonne journée tout le monde. Bonne semaine.